Hey, bonjour tout le monde! Là, aujourd'hui, ça me tentait de faire une vidéo YouTube. Yeah! On va faire une vidéo YouTube. Dans le fond, le concept, ça serait une vidéo YouTube. Vanessa, est-ce que tu peux me sortir? Oh, tabarnak! Oh, c'est dégueulasse! Ok, aujourd'hui, je vais vous présenter mon idole. Wow, comment ça? C'est super! Wow! Non, j'en crois pas mes yeux! Guys, aujourd'hui, je suis une personne heureuse et épanoui. Ouais, pis là, je vous le dis tout de suite, si vous vous attendiez à une vidéo drôle, là, tu sais, rire, non. Aujourd'hui, c'est pas pantoute ça qui va se passer. Là, là, c'est une vidéo très sérieuse, personnelle. On va rentrer dans moi. Ouais, parce que aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui a changé ma vie. Là, je vous vois tout de suite venir. Non, il ne s'agit pas de Cyprien. Cyprien. Mais ça aurait très bien pu être ça. Oh, ça aurait très bien pu être ça, là! Mais Cyprien, ça va être pour une autre fois. Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. Bah tiens, pourquoi pas vous faire deviner mon idole par le biais d'une petite devinette? Question de détendre l'atmosphère. C'est parti! Ok, là, son nom, il est en anglais. Après, on peut... ok, c'est Mr. Bean. Bon, là, je présume qu'il y a pas mal de monde qui savent déjà c'est qui Mr. Bean, hein? Principalement grâce à son rôle dans le film Avatar, comme le démontre cette image. Mais la vie de Mr. Bean s'arrête pas là. Oh non! Oh que non! Non, je trouve que la population est mal informée justement sur sa vie et sur son parcours légendaire. Je vais donc vous donner un petit cours d'histoire, question de faire bouger un peu, Mr. Bean, il est né, avec un nez! Oh, ça c'est con, là! Oh, ça c'est niaiseux! Hey, ça a pas rapport, là, mais checker cette image-là, comment c'est drôle! La madame a le chien pogné dans le cul, en tout cas, c'est une petite affaire! Ok. Merci. C'est maintenant l'heure du segment anecdote étonnante. Mr. Bean, son nom en français, c'est Monsieur Haricot. Hey, c'est bizarre, là! Bon, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est... Il est rendu quoi aujourd'hui, Mr. Bean? Eh bien, sachez que c'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que, comme on le sait, ces années charnières ont été dans les années 90, hein, avec sa série télévisée intitulée Mr. Bean. Bon, il y a eu un petit regain de popularité en 2007 avec son film Les Vacances de Mr. Bean. Mais là, là, en 2020, là... Il est où? Il est quoi, là? Eh bien, sachez que c'est là que ça devient intéressant. Croyez-le ou non, là, mais Mr. Bean, en ce moment, là, il est toujours aussi populaire qu'il l'était à ses débuts. Si c'est même pas plus. Vous me croyez pas? Ok. Checkez bien ça. 21,2 millions d'abonnés sur YouTube. Il poste des vidéos à chaque jour. Il est tout le temps en direct. Il y a peut-être une moyenne de 500 000 vues par vidéo, là. Mais ça finit pas là. TikTok! 2 millions d'abonnés! Mais la chose la plus incroyable là-dedans, là, c'est que toutes ces vidéos-là, là, sur sa chaîne pis sur son compte TikTok, c'est toutes des clips de sa série télévisée qui date du début des années 90. C'est du stock vieux de genre 30 ans. Et ça buzz! Ça cartonne! Écoutez, je pense que c'est la preuve que Mr. Bean est un génie de l'humour, pour vrai. Il a un humour intergénérationnel, il répand la bonne humeur chez les autres, pis il fait tout ça sans jamais dire une phrase complète. T'sais, le gars, c'est un retardé mental, là! C'est pas tout, hein, parce qu'il est capable de s'adapter à la nouvelle génération. Thumbnail parfaitement adapté pour YouTube. Il utilise des sons tendances sur TikTok. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house, boy. Récemment, j'ai vu des masques Mr. Bean. Hey, c'est vraiment un homme à marier, j'aimerais baiser. En plus, qu'est-ce qui est génial maintenant avec toutes les nouvelles technologies, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres fans de Mr. Bean. Je peux m'identifier parmi d'autres. Gucci Bell, Roman Recommand. Oui, parce que sachez que je ne suis pas le seul maniaque de cet haricot. I'm Beef. You know Mr. Beef. Bon, okay. Thank
Thank you. Parenthèse comme ça, s'il y en a des fois que ça leur tente de me faire plaisir, là, à la place de m'acheter des petits bijoux, il y a plein d'articles sur le web reliés à Mr. Bean. Ça vaut le détour. Mr. Bean cosplay de ma new funny cartoon printed funny à Mr. Tanks. Hey, wow, arrête ça, là. Pardon? Arrête tes simagrées. Toi, là, mon gars, là, t'es un hosti de fake fan. Yeah. Ben yo, t'arrives, t'es genre, ah oh ouais, je l'aime, Mr. Bean. Hey, c'est ça, t'as-tu des sources, t'as-tu des preuves pour tes opinions? Ben ouais. Ta gueule, man, je vois clair dans ton petit jeu. Tu dis que t'es fan de Mr. Bean juste pour te pogner une blonde. Hey, ça, c'est trou de cul en hostie, mon gars. Hey, arrête, là, c'est pas vrai, je l'aime pour de vrai, moi, là. Ok, regarde, attends. Ça, là, ces posters-là, j'ai même juste quand je fais des vidéos. Parce que check ben l'autre bord. Ah ben, Colin! Mais regarde, non, ça a pas rapport, ça veut rien dire, ça, tout le monde a ça chez eux, si des images de Mr. Bean accrochées, c'est la base. Ok, ben check, sinon là, une autre preuve, j'ai appris la toune de son cartoon au clavier, check ça là. Ok, mais c'est pas, ça a pas rapport. La toune complète, elle dure une minute, ça c'est 15 secondes. Et en plus de ça, t'as joué mal, pis esti t'es gros. Le tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je l'aime pour de vrai, Mr. Bean, ok? En dedans de moi, esti, je t'abonnais à son OnlyFans. Tabarnak, non man, ça fait dur ton affaire. Essaye pas, essaye même pas là, t'es complètement gay. Ok, je sais que je vais faire. Pour te prouver mon dévouement à cet homme, je vais changer mon pseudonyme. Je vais dorénavant m'appeler Mr. Zach, en hommage à Mr. Bean. Oh wow, ça c'est bon! Yes, mon gars, c'est vraiment le fun! C'est vraiment chill, mon ami. Mais là, attends, c'est pas fini. Pour me prouver que t'es un vrai fan, l'étape finale, rencontrer Mr. Bean. Ah ouais, crime, comme ça serait facile de rencontrer Mr. Bean. Hey, on est au Québec, man, y'a des feuilles. Hello, I'm the... Oh mon dieu, Mr. Bean? Yes, it's me, Mario. Oh mon dieu, c'est Mr. Bean! Oh là là, c'est fou! Je dois être en train de rêver, là. Hello. Ben non, impossible que ça soit le vrai. T'es genre un bonhomme punching bag avec une feuille, là, imprimée. C'est-tu que c'est BS, ton affaire? No, no, I swear, it's really me. Look, I don't have a penis. Oh shit, c'est le vrai. Hey, salut, man. Hey, je suis ton plus grand fan. Tu peux te faire, Bertrand? So, do you have a question for me? Because, Ouais, t'as-tu déjà vu ça, toi, le film Horton entend un qui? C'est un film de Dr. Zeus. Dans le fond, le protagoniste principal, c'est un éléphant. À un moment donné, il se promène dans le boisé, il trouve une petite fleur. Dans la fleur, il y a une ville. Les habitants de cette ville s'appellent des qui? T'as pas l'air de l'avoir vu. Bon, sinon, t'as-tu vu la nouvelle vidéo de Danick Martineau? C'est comme drôle. Oh, he's all alone, break away, Cedric Willett. Il s'amène. Oh mon dieu. Ok. Lui, que ce soit un gardien, une flaque d'eau ou ta femme, dans tous les cas, y'a la sauce. Wow, ok, le petit cave, il vient de se tuer, toi, t'es! Risque de mange-merde, après ça, ils vont te sentir partout sur mon sofa! Ben oui, c'est ça, après ça, les chiens vont venir licher ça, hey, ça te tentait pas de faire ça ailleurs, hein? Bon, ben, je suis désolé tout le monde, mais la vidéo doit s'arrêter là, hein, il vient de se tuer. Cherche attention, là, je sais pas trop, mais en tout cas. De toute façon, il y a des choses plus importantes dans la vie que Mr. Bean, hein. Par exemple, en ce moment, le Black Lives Matter. Il y a aussi, là, le Black Light Matter. Ça, c'est une nouvelle affaire. En fait, c'est moi qui veux partir ça parce que je trouve que les Black Lights sont pas mal délaissés. On n'en voit pas assez souvent à mon goût. Fait que ça serait possible juste faire passer le message. J'aimerais ça qu'un mouvement se lève. Merci. Fait que, hey, merci, là, vraiment beaucoup, là. Hey, salut, là. Ouloulou, les papillons.